Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes haïtiens, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Jodi an, c'est tout côté haïtien passé, estime haïtien attaqué dans toute structure. Li. Ça fait Haïti comme ça, ça fait peuple yo wè haïtien comme ça. Est-ce que c'est comme ça, ça t'est toujours yé? Peut-être non. Ça fait le vin comme ça, jodi an. Problème haïtien ak haïtien. Est-ce que haïtien yo ka changer ça? Oui, yo ka changer ça. Comment pour ça changer? Prend conscience, conjugue force nous, dit c'est nous-mêmes pays indépendant de ça n'a fait ak li, de ça nous décider la donne. N'a di ou bienvenue sous Vision en action. Vision en action, une plateforme YouTube créée pour donner matière à la pensée, pour aider nous comprendre ce qu'a fait, ce qu'a passé, ce qu'a dit dans la société haïtienne. C'est une émission spéciale de considération de la mort Mika Ben Benjamin. Je le mourir, façon le mourir, côté le mourir, pour qui ça le mourir. Ces questions en pile moun a posé. Journée jodi a sous Mika Ben. Mika Ben, c'est un haïtien qui te gen capacité pour le composer, pour l'interpréter, pour le produire 9 rythmes musique population haïtienne nan adopté. Est-ce que ça pas vini à l'idée nan penser personne moun pour voir exactement famille Mika Ben a fait mobilisation. Souhaiter tout le monde qui vient participer dans la cérémonie de célébration ou dans une messe quelconque qui a fait pour Mika Ben, vini à Rad Blanc. Pendant ce temps, yo même, yo à Rad Jaune sou yo. Ça, ça veut dire pour nous-mêmes, haïtiens, couleur jaune. La mort de l'artiste Mika Ben est une question posée dans le milieu musical haïtien. Pour musique clan, pas tout né, yon héritage, ni yon ti famille, ni yon ti groupe moun, même jan sa ye, nan politique économique Haïti. Yon ti famille, yon groupe de moun, akapare tout sa ki gen nan pays d'Haïti. Et si ou pa fè partie de ti groupe sa, de famille ti groupe sa, ou pa ka rien nan pays yon. Même yon machin du riz, même yon machin l'huile pour ta venni en pas de room pour ta venni pas galon, pas bouquet. Est-ce que nous te connais? Mika Ben, est-ce que nous te connais? Mika Ben d'après le gain les belles pales, ça veut dire il d'après le gain propre marque pale pour le produit non seulement musique pour l'autre monde mais pour le promouvoir l'autre monde, par exemple petit jeune cap qui gen avenir, qui gen talent, il t'a pran yo, produit yo, et puis promote yo tout côté dans le monde. Et Mika Ben, c'est un monde d'après ça yo dideli qui était très ambitieux. Si le bon projet, li pralé non seulement jusqu'au bout, mais li tient à ce que pour ça la faire, li fait le bien pour tout monde qui a consommé, pour tout monde qui a acheté, pour tout monde qui a réjoui de ça la faire. Son bon bagay. En tout cas, est-ce que ça pas vini non yon l'idée pour Jean Etienne Maela, pour Jean musique haïtienne non a fonctionné journée jodi an, yon moun intelligent, yon moun ki gen capacité sa yo, ta rentre nan business sa, a produire moun, a promouvoir programme. Et Mika Ben tap yon révolution nan jan yo promouvoir musique et nan jan nan façon que artistio yo même yo traité Mika Ben tap révolutionné Etienne Maela milieu musical là s'il te gen chance rentrer dans ça mais malheureusement yo pas quitté le rentrer la donne li pas gen temps rentrer la donne non seulement Mika Ben tap vinn yon producteur mais li tap vinn yon promoteur tout. Cela implique automatiquement des empile moun qui tap suspend fait cob non seulement ak Mika Ben mais
ak zami Mika Ben yo tou. Mika Ben te pran nan yon angrenaj. Peut-être li pat kompran. En tout cas, mesdames et messieurs, mes ki te projete pou te fèt samedi 12 novembre 2022 pou Mika Ben nan peyi d'Haïti, yon mes ki pot ko gen liye, yo pot ko bay ki bo yo tap organize mes la. En tout cas, fami Mika Ben annonce, enterrement Mika Ben au mes de repos, y ap gen pou chante pou Mika Ben li annonce mardi 15 novembre 2022 nan l'église Saint-Pierre à Pétionville, nan Port-au-Prince, à 10h30 du matin. Yo mande pou tout moun, s'il vous plaît, ta vini ak rad blanc, même jan, yo te mande il nan cérémonie de célébration de la vie de Mika Ben ki te fête jour ki te 6 novembre 2022 nan ville Miami. Fami ap resevwa salutation d'usage yo à 9h du matin, y ap commencé, y ap la, y ap présent. Pour tout moun ki ta vle vin saluer fami yo, vin souhaite yo, di yo yon ti mot gentil, yon mot d'encouragement, yon mot de raison, y ap disponible à 9h dans l'église Saint-Pierre, Pétionville, pour yon dernier hommage, yon dernier adieu ak artiste Mika Ben Benjamin. C'est sa famille, Michael Benjamin, artiste Mika Ben, annoncé, mesdames et messieurs. Yon pile parole ka parle. Mais, Etienne Maela, au milieu musical haïtien, d'après un pile moun, gen yon ti groupe moun ki akaparel. Et ti groupe moun sa yo, yo rele yo gros jazz. C'est eux-mêmes en dedans gros jazz sa yo qui gen zanmi yo qui promoteur. C'est eux-mêmes qui promote jazz yo. C'est eux-mêmes qui organise programme, c'est eux-mêmes qui gen film de production qui produit pour artistes yo, pour jazz yo. Jazz sa yo depuis yo te gen tan fin reconnaître yo comme gros jazz, pa gen l'autre petit jazz, l'autre moun qui ka ta gen ambition. Le petit jeune qui t'a gen ambition pour venir créer jazz, pour yo passer, pour yo ta vin populaire tout. Même genre, est-ce que nous songez groupe Crazy, Michael Benjamin à cousin David Dupour te fondé en 2005. Jazz ça n'est pas duré plus que 5 ans. En 2009, monsieur yo te obligé camper projet Crazy Music Clan pour Mika Ben te retourner dans comme artiste solo pour le tal produit album ni et David Dupour et peut-être après travailler dans le jazz mais nous pas bien connaît qui ça le fait est-ce qu'il toujours dans la musique nous pral prend yon cadre figure là dans la mort Mika Ben Benjamin sous tenue vestimentaire famille Mika Ben te gagné dans cérémonie de célébration de la vie de Mika Ben et suggestion yo fait à zami fami au sympathisant Michael Benjamin qui vient participer non en quelque sorte funérailles au messe de repos y a chanté pour Mika Ben. Yo mande tout le monde pour venir en blanc parce que Mika Ben te remè blanc en pile. Mais yo toujours dit la charité bien ordonnée commence pas je ou commence pas soi-même. Pour qui ça, famille Mika Ben, pas en blanc, yo même, yo décidé en noir et en jaune. Qui ça veut dire, mesdames et messieurs? Noir signifie, yo moun ki en deuil, yo moun ki en souffrance, yo moun ki en douleur. C'est comme si ou te couché son sac, yon sac yo rele sac colette, moun ki religieux yo ap jene sou yo, yo en deuil. Couleur jaune, non, yo toujours dit c'est couleur trahison. C'est couleur traite. En tout cas, ça va jamais venir à l'idée pour qui ça famille Mika Ben, c'est jaune yo mettez sous yo, pendant yo mandé tout monde pour te venir en blanc. Son message, yo voyez by tout monde, son réponse
yo bay tout moun ak autopsie Mikaben ki te fait. Yo di exactement c'est jalousie, c'est hypocrisie ki voye artist lan ale. Sa son message li voye bay tout moun. Pou nou antame, yon lot angle sou la mort Mikaben sou choual de batay li, li te genyen, se sou doa d'auteur, li tap defan pou tout artisyo te viv, non seulement viv de profesyon yo, men pou yo te valorize yo nan sa yo tap fe. Pou yo pat seulement depan de yon show, de yon program, men pou yo te gen doa sou muzik yo, travay, yo redi fe, pour que yo te vive de ça. C'était un choix de bataille de Mikaben et Mikaben te prend ça très au sérieux. Il t'a pralé vers l'avant à Kli. Respecté dans le pays d'Haïti, est-ce que comédien Mathias Dantor, mesdames et messieurs, il a fait tout spectacle ça sur les réseaux sociaux. Côté, il y a près de 2 ans, soit persécution politique, souvent ça yo di, ital en République Dominicaine. Il tap vive de façon illégale, mais malchance pour li un jour, yo pa reconnaît li, Dominicain yo pa reconnaît li comme artiste, yo prenne, yo voye le tourner dans le pays d'Haïti. Immigration prenne, même j'ai ak n'importe haïtien, yo prenne, yo voye le tourner dans le pays d'Haïti. Nan Dahabond, li descend comme tout réfugié, sans rien nan men, sans rad, sans rien du tout, jan jwenn ni an konsa yo voye l nan pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, situation an triste, li désolé. Ki artiste nan l'autre pays, ki ki tan fè non nan niveau, nan calibre, Mathias Dantor, yon l'autre pays, yon autorité, yon l'autre pays, tap fè ça. Non parce que est-ce que c'est parce que Dominicain pas respecté haïtien vrai ou sinon façon nous comporter nous dans pays an. Qui stature vraiment Mathias Dantor te gagné en République Dominicaine. Situation difficile. Est-ce que il était sans visa, sans passeport, sans rien, il t'a marché ou sinon c'est abus yo fait parce que faut que nous poser question ça pour nous pas faire personne abus tout. Pour ne pas parler même gens avec tout le monde a parlé. Est-ce que c'est abus dominicain yo fait yo? Parce que dominicain c'est d'après tout ça yo dit, yon segment nan population dominicaine nan yo raciste en pile. Est-ce que c'est un acte racisme qui posé sous comédien haïtien Mathias Dantor ou sinon c'est de façon irrégulière li tap vive nan République Dominicaine? Te voyager, te quitter Haïti sous persécution politique, est-ce que vraiment li pa demandé asile politique en République Dominicaine? Si yo te refusé, qui ça te fait? Est-ce que li te met visa sous passeport li? Est-ce que là yo prend nan li pa gen passeport ensemble ak li? Qui ça bagay la yé exactement, mesdames et messieurs? Mikael Benjamin, c'est une artiste nan industrie musicale haïtienne nan qui te gen capacité pour te chanter composer nan 9 rythmes musique que population haïtienne nan chanter. Par exemple, il te gen capacité pour le chanter, écrit, jouer compas, musique racine, musique traditionnelle, par exemple vaudou, rara, musique urbaine, rap, reggae, rabodai, raga, électronique, rock, etc. Musique classique, jazz, musique évangélique, gospel, chansons populaires, variété, troubadour, etc. 9 rythmes musique, Mikael Benjamin te gagné à la portelle, li te ka joué. C'est pas tout le monde qui gagné. Qui développe talent sa yo la kaili et qui renni perfectible nan domaine sa. C'est pas tout moun ki développe
Même si moun nan te gen don, mais c'est pas tout moun ki développe capacité sa, énergie, Michael Benjamin te gen, le lap dégage, lap joué, en quelque sorte, soit sous yon scène, et quel que soit sa la faire, quel que soit nan rythme musique la fonctionné, énergie li dégage, ouais, effectivement, c'est un monde qui était très dédié, c'est un monde vraiment qui était engagé dans sa la faire, qui était adonné dans sa la faire. Et quand bagay qui grave, moun pa comprendre. Nous pral illustrer ça nous pral dire là sous yon fait qui t'est passé. Qui moun qui songe, pasteur Lochar Rémy. Pasteur Lochar Rémy, c'est un pasteur qui passait de présentation pour ça le fait dans musique bien avant l'été vienne pasteur. Mais de yon musique en plus qui fait pasteur Lochar Rémy populaire et tout le monde chanter ou ka passer musique ça dans toutes circonstances c'est Haïti 2004 200 ans et indépendance pays d'Haïti. En février 2022, c'était un bagage qui était triste en pile. Un jour dimanche matin, pasteur la tapral l'église, yo te kidnappé pasteur la. Personne pat kon pou ki sa yo te kidnappé et tout moun tap mande pou ki sa yo te kidnappé pasteur la. Parce que, ou imagine, yap kidnappé moun, le kidnappeur yo ap kidnappé moun, yo pa choisi combien moun ki nan machine nan. Yo wani descend si c'est 3, si c'est 4, yo descend, yo conduit machine moun nan et puis yale avec moun nan. Mais pasteur Lochar Rémy, yo kidnappé l, qui te ak madame ni, qui te ak madame ni, nan machine nan, yo kidnappé l, yo pren yal metel nan l'autre machine, yo kite madame ni nan machine nan. Ça, li di nou, c'est yon bagay téléguidé. Mais nous pral ba ou yon fait. D'après un pile parole ka parle, pasteur Lochar Rémy, li te kidnappé, c'est parce que li te récupéré droit d'auteur à seulement 3 jours. Moun ki t'ap joui de pasteur là, de travail pasteur là, yo pa t'ap joui ou encore, peut-être ça, yo te fait kidnapper pasteur là, suivant toute vraisemblance, c'est pas kidnapper, yo t'ap kidnappé, c'est tiye, yo t'ap tiye, l'exécuter, yo t'ap exécuté, mais bon Dieu était là, yo pa t'exécuté, yo te kidnappé. Même s'il paye rançon pour laguer, mais li là encore, li ka récupéré tout ça, le pe duo en double, en triple. Pasteur Lochar Rémy te gen 3 jours seulement depuis le te récupéré droit d'auteur. Même là, il te kon a fait un live, il te kon passe son musique li, yo te kon bal droit d'auteur, yo te kon coupé live là sous li. Pasteur la goumen nan justice, li récupéré droit d'auteur là, peut-être ça, yo fait kidnapper pasteur là. Pour ça nous prend exemple ça, c'est pour nous dire qui ça qui rive Mika Ben et qui menace qui tape courir sous vie Mika Ben. L'el tape goumen fait plaidoyer pour li te récupérer droit d'auteur, tout artiste yo te ka vive exactement sous travail y a fait, sous ça yo choisi fait comme profession, c'est musique. Mika Ben était très dur. Il était très engagé dans situation droit d'auteur là. Et nous songe à plusieurs occasions. Papa Mika Ben Benjamin, qui c'est Lionel Benjamin, lui-même lui dit Mika Ben Benjamin tape goumen pour récupérer droit d'auteur. Lui-même dit ça même entièrement. Mika Ben, yo te rele cérémonie de célébration de la vie de Mika Ben. Maman Mika Ben, qui c'est Roselyne Dupont Benjamin, non, cérémonie, célébration la vie de Mika Ben, non, lui-même ni dit ça. Mika Ben te dit, si on récupère les droits d'auteur là, Haïti a rentré plus l'argent que si touriste a rentré dans le pays dans la question droit d'auteur là. Ça veut dire qu'on paquet intérêt là. Lionel Benjamin t'a même dit, lui-même a ainsi de rose, t'a essayé déjà, t'a mette commission droit d'auteur là campé. Mais malheureusement, Ansi de Rose vient mourir.
yo pas arrivé faire ça lui-même ni pas capable pour compte lui yo t'ai quitté ça nous ouais en pile intérêt dans bagaille droit d'auteur là et nous ouais gagne une connexion et de réponse tout monde a demandé sous autopsie qui fait sous Mika Ben pour te déterminer cause la mort de Mika Ben nous ouais famille Timoso par Timoso signe par signe l'a dit exactement qui ça vraiment qui engagé la mort Michael Benjamin c'est trahison côté li gagné famille en jaune yo habillé toute famille yo habillé en jaune ça supposé Michael Benjamin trahi est-ce que pas frère yo pas un million dans secteur musical là dans qui façon nous pas connaît mais Michael Benjamin jodi an li pas existé encore li mouri question droit d'auteur là li gon paquet en jeu la donne li gon paquet intérêt la donne nous prend exemple pasteur Locha Rémy nous ka titre le comme ça nous dit la même cause le sort différent pasteur Locha Rémy ak Michael Benjamin yo te gen même lutte mais non seulement pasteur là Locha Rémy te gen de cause mais ça pas empêché yo te kidnapper mais Michael Benjamin pas arrivé gen de cause et il pas arrivé survivre li succombé à rêve li aspiration lutte il t'a mené en tout cas pour que sa trahison pensez sous ça toujours pour que sa famille Michael Benjamin invitez tout le monde pour venir en blanc parce que Michael Benjamin était remé blanc yo même yo pas en blanc c'est en jaune yoyé ça vient nous à l'idée en tout cas si ça pas jamais vient nous à l'idée faites tout travail jodi an et al chercher qui ça les monde mettait jaune dans enterrement qui ça veut dire famille ou mouri petit ou mouri ou mettre jaune sous vous son réponse ou bail à tout le monde. Situation triste, mesdames et messieurs. Pour terminer vidéo ça, même jeune, t'es commencé là pour nous dire la mort de l'artiste Michael Benjamin, Mika Ben, est une question posée dans le milieu musical haïtien. Si en pile moun pa ka les yeux, yo, si yo pa levé campé, si yo pa organisé yo antenn yo, ap gen l'autre moun ka vin pran l'autre initiative ka passé. Peut-être pi mal que Michael Benjamin. Parce que nan peyi nou wè tout ça gen intérêt la donne, tout ça ka fait pays avancer, c'est un petit groupe moun ki akapare l, par exemple politique là c'est un petit groupe moun ki a capare l'économie paysan li nan men yo ti miet moun nan paysan ki len ap fini ak sa mesdames et messieurs merci encore merci beaucoup merci toujours il pas toujours facile mais avec dédication patience persistance ou ap atteinn ça va chercher. Merci encore, mesdames et messieurs. Vision en action.